Difficile d'imaginer La Rochelle sans lui. Au large des Minimes depuis l'an 2000, le phare du bout du monde est devenu un incontournable du paysage. Mais problème, il commence à prendre de l'âge. Les assauts de l'océan abîment sa structure. Alors aujourd'hui, il doit se refaire une beauté. Ça subit les dégâts du temps. L'eau stagnante fait que le bois commence à pourrir. Donc là, on intervient pour changer tout ça. En tout, il faut acheminer 3 tonnes de bois par bateau, quand la météo le permet. Un chantier contraignant surveillé de près par André Brunner. Dans les années 90, c'est lui qui a impulsé la construction du phare à La Rochelle. La réplique parfaite de celui érigé à l'autre bout du monde, justement, en Patagonie. Ça m'intéresse de voir ce qui se passe, enfin ce qu'ils font, et pourquoi surtout ça s'est abîmé, parce qu'on pensait avoir mis un bois imputrescible, qui est l'angélique, et en fait on se rend compte qu'il n'est pas si imputrescible que ça, puisqu'il a fini par s'abîmer. On a monté toute cette histoire depuis le début, c'est pas pour qu'ils se détruisent aujourd'hui, là. C'est bien qu'ils soient entretenus. Et cette fois-ci, pour éviter que les éléments n'abîment à nouveau le phare, il va être légèrement repensé. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de système de gouttière, donc l'eau ruisselait le long du phare et descendait sur des pièces qui sont stratégiques, des pièces de maintien du platelage bois. Et donc on va mettre en place un système permettant l'évacuation des eaux de ruissellement du phare vers la mer. Comme ça, ça évitera d'abîmer le platelage bois qui se situe tout autour du phare. Pour que le phare du bout du monde retrouve son lustre d'antan, 10 semaines de travaux sont nécessaires. L'invitation à la rêverie et au voyage pourra ainsi reprendre comme avant.